Ouais, c'est ça. C'est pourquoi, c'est pour raison ça qui fait nous aborder le thème ça à la lumière de la Bible. Ça veut dire la Bible, on est capable de dire pral ouvert yeux non sur la peur. OK? Donc nous allons aborder ce thème à la lumière de la Bible et pour introduire notre sujet, nous allons faire une première remarque. Une première remarque qui pourrait surprendre. Nous allons faire une première remarque qui pourrait surprendre. Nous allons faire maintenant une première remarque qui pourrait surprendre. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, une première remarque qui pourrait surprendre. Maintenant, qui est la peur peut être un facteur positif. Merci Seigneur. La peur peut être un facteur positif. Donc nous allons voir ça rapide. La peur peut être un facteur positif. La peur n'a pas les là que nous sommes parler des lits. Là, les capables d'un facteur positif. Quelquefois, non seulement ouais, la peur dans le sens négatif. Eh bien, nous allons voir ensemble avec aujourd'hui, hein, la peur peut être un facteur positif. Donc la peur, il y a un côté qui positif là-dedans. Maintenant, rapidement, pour nous, on est capable de dire, facteur positif de la peur. Nous avons peut-être l'habitude de penser que la peur est une mauvaise chose en soi. Nous avons peut-être l'habitude de penser que la peur est une mauvaise chose en soi. C'est ça? Donc plus ouais côté qui négatif là. OK? Nous gagne une chose en soi. Nous avons peut-être l'habitude de penser que la peur est une mauvaise chose en soi. C'est ça? Donc plus ouais côté qui négatif là. OK? Nous gagne habitude pour penser que la peur, les sont mauvais bagaille. C'est un mauvais bagaille dans lui-même. La peur. Cependant, par contre, dans certaines circonstances, elle peut être bénéfique. Dans certaines circonstances, elle peut être bénéfique. Ça veut dire dans quelques circonstances, la peur est capable bénéfique. Ça veut dire, s'il est capable bénéfique, ça veut dire porter bénéfice dans quelques circonstances. Nous allons voir. En effet, la peur nous pousse à réagir face à une situation de danger ou à une menace. Ok, ça, la peur a fait. La peur, les pousser nous pour réagir au rugissement d'un lion dans la rue. La peur nous pousserait à ne pas sortir de notre maison. Ça, c'est vrai. La peur, les pousser nous pour réagir face à une situation de danger. En face à une situation de danger, mais la peur, les pousse nous pour nous réagir, ou bien face à une situation de danger, ou bien face à une menace, la peur, les pousse nous pour nous réagir. Nous disons, si par exemple, nous t'attendons bribal, ou bien nous t'attendons cri, yon lion dans la rue, eh bien, la peur nous pousserait à ne pas sortir de notre maison. Ouais, la peur, qui ça le fait? La pousse nous. La peur t'a poussé nous pour ne pas sortir la caille. Puisqu'il nous entend des bruits balles, puisqu'il nous entend des cris lion dans la rue, eh bien la peur l'a poussé nous pour ne pas sortir dans la rue. Mal la caille moun. Eh bien, il y a des gens qui pas peur danger. L'a affronté danger. Il y a des gens qui pas peur. Qu'elle affronte danger, qu'elle porte tête li bay danger, qu'elle porte tête li bay menace là, sous prétexte qu'elle pas peur. Ah, ouais. Y a des monde qui va foncer des situations ça au fait, qui va foncer des bay qui va bon, des bandits qui a fonctionné avec zame mais qui a marché tout y a monde qui kidnappé monde. Mais bandi sa yo filmé boz, yo filmé marijuana. Parce que les moun nan filmé boz, al filmé marijuana avec certitude, li pa gen contrôle tête li encore.
bon sens il pas gagner encore perdu il prêt pour affronter n'importe dans danger pas peur mourir et puis on est vous côté pour le doigt dit pour tout qu'il pas peur mourir il dou il mourir déjà sans terre pour enterrer donc il relait tête li la mort sans jour donc moun ça il drogue tête li donc un mec qu'il a sentiment ça il enlevé dans lui. Il retire le lit, ça veut dire pas un sentiment de peur ça dans lui. Il pas peur pour affronter quel que soit malheur, quel que soit obstacle, quel que soit danger. Il est prêt pour affronter. Sentiment ça, il sorti dans lui. Donc nous dit si par exemple nous attendons des coups de fusil ou dit le cri d'un lion dans la rue, la peur nous pousserait à ne pas sortir de notre maison. Donc si vous avez un sentiment ça, ou tendez d'être capable de dire des bruits de fusil, vous cherchez à abriter ou ou pas sorti la caille, mais c'est li pas mauvais en soi, li pas négatif. Moun même si balap tire kap la caille, mais c'est li pas mauvais en soi, li pas négatif. Moun même si balap tire kap pote tête li aléa, et ben la honte quel brave. Donc dans ce contexte précis, la peur nous inciterait à prendre une sage décision. Ouais, dans le contexte, la peur l'incite non pour une prendre une décision qui est sage. Il en est de même dans beaucoup de situations. Ok? Dans un pilote situation, même pour aller traverser la rue, eh bien, autant d'un bruit machine à venir ou pas qu'on est couru ou aller traverser. La peur, il faut camper pour pas traverser. Décision ça sage. Donc, il en est de même dans beaucoup de situations. Donc, je pense que la peur est voulu par Dieu. OK? La peur est voulu par Dieu. Il dit, elle est une réaction normale. Beaucoup de situations. Donc, je pense que la peur est voulu par Dieu. OK? La peur est voulu par Dieu. Il dit, elle est une réaction normale face à un danger. La peur n'a pas là son réaction qui est normale face à un danger. Elle éveille nos sentiments et nos pensées afin que nous soyons plus performants dans des situations à risque. Elle éveille nos sentiments, l'éveiller pensées non, pour être capable de plus performant dans des situations à risque. Béni soit l'Éternel. Pour être capable de plus performant dans des situations à risque. Donc la peur déclenche l'instinct de conservation. Elle nous incite à nous sauver ou à nous protéger face à un danger. La peur, l'incite nous pour sauver tête non. L'incite nous pour protéger pour avoir un danger pour peut-être aller. C'est caché pour cacher. Moi mon nan, li wo danger c'est fou la faute tête là ou capable di moun ça, li pas gen bon sens. Mais la peur n'est peut-elle pas tout aussi bien devenir un facteur nuisible dans nos vies. Et c'est ça, nous allons répondre dans la prochaine étude là. La peur. Est-ce que la peur pas capable de tout? Est-ce que la peur tout n'est pas capable de tourner un facteur nuisible dans la vie non? La peur n'a pas les là. Est-ce qu'elle pas capable de tourner un facteur nuisible dans la vie non? Merci Seigneur. Donc c'est ça, nous allons voir dans la prochaine étude là. Merci. Ou même qui t'a suivi de près et de loin. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube. Partagez. Faites des commentaires et like. Merci. À la prochaine. Pour une prochaine, vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube. Partagez. Faites des commentaires et like. Merci. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo.